Salut les skags, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un jeu Inkade. Cette fois c'est sur Borderlands 3. Parce que j'ai lancé ce concept et pour le moment j'ai fait que du Skyrim. Donc faut bien faire autre chose. Donc voilà, j'ai choisi Borderlands 3 et il y aura des qui suivront sur d'autres jeux. Au départ je voulais faire le sur Fallout 4, mais Fallout 4 est tellement buggé et crash en permanence, donc j'ai décidé d'abandonner le projet. Donc pour moi, Borderlands 3 était le jeu parfait pour prêter à ce concept. Du coup, devant nous, on a Mancubus Carnassier qui a une quête pour nous, à savoir que là actuellement, on est dans le deuxième DLC, Amour, Flingue et Tentacule. Très bon DLC, par ailleurs, j'en ai pas fait la review parce que j'ai pas vraiment eu le temps ni forcément l'envie. Mais c'est un excellent DLC et du coup on a ce personnage qui veut nous donner une quête, le Miamomicon. Bon, c'est une quête de niveau 25, mais bon. Juste un passage à la librairie du coin pour récupérer un livre de recettes, on entre, on ressort 20 minutes max. Bon, c'est parfait, parfait, si c'est que 20 minutes. C'est parfait. Se trouve un livre de cuisine d'une noirceur insondable, le Miamomicon. Allez voir la bibliothécaire Harriet, elle saura peut-être où le trouver. C'est génial. J'ai longtemps protégé ce tome quand les ombres étaient jeunes. Aujourd'hui, son terrible texte est visible partout des tentes. D'une carte de bibliothèque. J'adore son intonation à ce qu'elle a. Si. C'est une référence directe au Necronomicon, donc c'est génial. C'est génial. En même temps, tout est une référence aux univers de Lovecraft aussi, donc c'est. Le DLC est vraiment, vraiment bien. Les environnements sont magnifiques, les ennemis sont vraiment cool. Bah, je vais profiter du coup de cette vidéo pour en parler, mais honnêtement, le DLC est excellent. Le DLC est excellent. On retrouve Gage, ma petite chouchoute de Borderlands 2, et l'histoire est vraiment cool. Attention, Zebardi. Bibliothèque, bonjour, je cherche Harriet. La semaine dernière, je cherche un livre appelé le Miamomicon. Ça vous dit quelque chose? Celui dont le nom est le néant. Il vous faut une carte de bibliothèque. Mais c'est à peine si je vous entends avec le club de lecture des compagnons. Personne n'empruntera rien ici tant que je ne pourrai pas m'entendre. Réfléchis. Eh bien, on va tuer des gens. C'est notre spécialité. Oh, ils ont l'air trop bien mis, ils discutent d'un livre, pourquoi est-ce que je dois les tuer? C'était bien plus facile à suivre que les 8 premiers eidolons de la perte. Ah, par contre, c'est le balécouillisme. Si vous consultez des mystères abyssaux sous forme de texte, merci de le faire en silence. Voilà, ma bonne vieille mitraille Vladov, et qu'est-ce qu'on a? Ah bah c'est une carte. Maintenant que le volume est redevenu raisonnable, je peux vous dire que le Miamomicon se trouve dans les rangées interdites. Génial. Mais je préfère vous prévenir. Tous ceux qui ont emprunté ce livre ont connu un sort terrible. Des amendes de retard. Waouh, j'ai peur. Cette jeune femme a parfaitement raison. Un sort terrible à tout quiconque posera le regard sur les pages maudites. Toutes ces pages s'entendent. Va, explose dans la tronche. Clink, clink, clink. Ah oui, c'est vrai, j'ai que 3 armes. Parce que oui, avec cette Amara là, parce que c'est ma deuxième partie Amara, j'ai décidé d'utiliser les. De faire les DLC avant l'histoire principale. C'est pour ça que, si vous avez bien vu, je suis encore qu'à Prométhée niveau histoire. Il y en a là au-dessus, mais il y en a... Ah, là. Allez, alors, être à Prométhée niveau 30, c'est... Tu vas arrêter de bouger, toi. Tu vas arrêter de bouger, hop, voilà.
Et hop, dans ta tronche, et pouf, pouf, pouf. C'est tout. Non, 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 c'est pas tout. Où est-il ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne sais pas, mais c'est mort en tout cas. Mais apprends à viser, Amara. Ah oui, c'est vrai, je peux utiliser deux fois ma capacité quand elle est en charge. Hop, meurs. Bon, visiblement, ça ne s'arrêtera pas. Il faut les semer. Des coffres. Des munitions. Des flingues. Génial. Ça ne me sert pas à grand-chose, du coup. Meurs. Merde, je sais pas, hein, j'ai pas encore mon... Meurs. Ah oui, bah oui, bien joué, je suis une sirène. Et alors ? Aïe, aïe. Ah d'accord, c'est un truc qui m'a pété dessus. Ah ouf ! Je déteste les scripts nécromanciens, arrête de ramener les gens à la vie ! C'est pas halal. Un jeu d'enfant. Je ne suis pas de ce monde. Et je n'ai rien à craindre d'une vermine comme moi. Bien sûr. Et hop. Et hop. Et ah non, oh pardon, lui, je l'aime pas trop. Voilà. Non. Oh. Oh non. Pas toi. Toi, tu viens ici. Un petit combat. Mais what? Pour une arme Vladov, niveau ergonomie et munitions. Oh merde! Où il est gros lui? Quoique niveau dégâts critiques, ça fait pas mal. Toi tu crèves. Attention, le Malek. Qui a l'air. Mais what? Non mais dégage toi, c'est pas toi ma cible. Toi, tu... Il est là, il est mort. Et pouf! Et pouf! Tu pensais vraiment faire le poids face à la grande sirène Amara? Tout ça n'était que mensonge! Vite. Bien, le miam Omicron est tout proche, par ici. Vite, chasseur de l'arche, je trépigne d'impatience. L'une de ces pauvres âmes a dû rater la recette du daiquiri glacé, une boisson capricieuse dont le livre doit être sur l'un d'entre eux. Vous allez devoir l'arracher à ses mains fragiles et froides. Vous le sentez venir, le combat de boss? Ah bah non. Le grand grammoire, c'est un incontournable de la grammaire infernale. Très utile pour les diabolistes prétentieux, mais ce n'est pas ce que nous cherchons. Continuez. Pas de soucis. Pouf! Ah. Des vermivorous. Oh, vermivorous! Oh, sa tête de Borderlands 2, ça. Extraplanétaire, seul le miam Omicron inclut les recettes qu'il me faut. Il est forcément quelque part par ici. Ben, je suppose. Attends. Non, des munitions. Et toi? Une vanne. Celui-ci a tenté de saisir la valve du système de chauffage. Mais il est là, gros malin. Prenez-la. Maintenant, placez la valve où elle doit l'être et dissipez le froid. Alors peut-être nous saurons où trouver le livre. Mais il est là! Genre, faut être aveugle pour pas le voir. Et du coup, je vais peut-être prendre le coffre là aussi, parce que j'avais pas vu que j'étais à tel point en manque de munitions.
Et je rentre comment? Parce que t'es bien sympa, mais... Faut que je rentre, mais il y a une porte. A few moments later. Ah non, d'accord. J'avais pas vu ça. Il fallait juste être observateur. Ah. Par contre, j'aime pas trop les bruits qu'il y a. Bonjour. Je viens de placer les développeurs de Half-Life. Et d'accord, je peux sortir. Et je dois... D'accord, en quel honneur. Ah. Ah, le livre se dévoile. Allez, vite, récupérez-le. Je le sens mal, je le sens très mal. Moi, depuis tant que je me gèle les coins de page dans ce trou, sortez-moi de là avant que je pourrisse. Bonjour. Il semblerait que d'autres personnages partagent mes intérêts littéraires. Oula, 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 oula. Votre affaire est dissuadée. Tu fais une grave erreur. Oui, bah écoute, on fait tous des erreurs. Meurs, meurs, vile créature, meurs, Malek. Meurs, meurs, meurs. Il est où? Vous ne me piquerez pas le Miamomicon. Explosion! Explosion! Voilà. J'ai lu Ground Fortnite. Oh oui, mais oui. Le fusil à pompe. Le peupon. Le peupon. Viens ici. Meurs. Il est pas mort. Si, il est mort. Mais toi, t'es pas mort, je te vois. Tiens. Mais tu vas crever, oui. L'aubergigue du malin, la sauce ancestrale, prenez-le, et quoi que vous fassiez, ne lisez pas un seul mot. Vite, allez voir la bibliothécaire pour faire votre emprunt. Oui, monsieur. Bah en vrai, si j'avais le choix, je l'ouvrirais moi-même. Hein. Je vous dis ça juste entre nous, mais page 666, j'ai une recette de fettuccine au demo gorgonzola. C'est à mourir, littéralement. Vous devez résister à ces chars. Ben, facile à dire, facile à dire. Je résiste, mais ça reste un livre qui a l'air très appétissant. Enfin pas le livre en lui-même. Des munitions, du loot, des munitions. A que de l'argent, a que des munitions et de la santé. Oh, mais j'avais pas vu lui! Qu'il aurait été vomi par le néant, rendu malade par un péché si noir que même les ténèbres s'en seraient détournées, en prétendant même qu'il aurait été copié-collé depuis le bloc de cuisine de la faucheuse en personne. Là, j'aurais peut-être pas dû shooter sur le flingue alors que j'étais juste devant. Madame la bibliothécaire, je viens emprunter un livre. Allez, bonjour madame. J'ai mon bouquin et c'est pas grâce à vous. Faites mon boulot et ensuite je disparais. Ah, vous avez trouvé le livre. Eh bien allez, passez-le moi. Voilà. Bien, je vais juste l'ouvrir pour tamponner. Quoi ? Ici, sur cette page de fin, on ne peut plus innocente et...
C'est quoi ça? Une sorte de recette? Je ne peux pas m'empêcher de lire. Oh! Quel malheur! Trop cool! Mais on ne pourra pas la sauver. Meurs! C'est pour ça que le livre doit rester avec moi. On ne gagne meurs, meurs! Et... Oh! Oh! On peut l'avoir en pendentif d'armes, c'est trop bien! Alors du coup, je vais le mettre sur une de mes armes. Le Miamomicon, c'est génial. Voilà. Hop, je reprends ça, je reprends le bouquin. Ah bah attendez, je vais me TP, ce sera plus simple. Et nous revoici au pavillon, là où nous devons retourner voir Mancubus avec le Miamomicon. Tenez, monsieur. Posez-le sur le bar, que je puisse tenter de préparer une de ses recettes. Voilà. Très bien, mais si vous vous transformez en monstre, je vous démembre un tentacule après l'autre. Nul besoin de vous inquiéter. J'ai une certaine habitude de ce genre de rituel. Mais qu'allons-nous choisir? Une soupe du condamné? Trop salée? Des cookies au sucre sans sucre? Diabolique? Peut-être. Mais oui, bien sûr. Une fondue de Xylourgos. Pour cette recette, je dois invoquer la substance la plus ignoble, la plus grossière de tout le Miamomicon. Clatou, coriando, nectou. La coriandre? D'accord. Avec le plus grand soin, transférez l'ingrédient final dans le chaudron au-dessus du feu. D'accord, j'ai très peur. Hey, salut, salut Claptrap. Oui, oui. Avec cette fondue, les habitants vont accourir au pavillon par troupeau. Bien sûr, quelqu'un devrait la goûter par sécurité. Et ce quelqu'un, ça va être moi, je suppose. Croyez-moi, j'adorerais vraiment, mais il se trouve que je suis au régime, alors... Non. Non, non, pas vous, chasseur de l'arche. Contentez-vous de donner un bol au Miamomicon. Nous devrions très vite savoir si la recette est réussie. Allez, monsieur le Blamomicon, on va manger. C'est tellement bon que ça me donne envie de vomir pour y goûter encore. Ah! Comment ça, Splink? Il a drop un légendaire, le con! Je vous remercie grandement de votre assistance. Mais il m'a drop un légendaire? Mais c'est parfait! Pour terminer la vidéo, mais c'est parfait. Hop. Oh. En plus, c'est un atlas. Bon, on a quoi ici? Bonjour, monsieur. Ça tire quoi? Ça tire quoi? Oh. Ça tire des missiles partout. Je pète le pavillon et personne n'en a rien à branler. D'accord, d'accord. Eh bien, écoutez, moi je dis, on va terminer en étant vis-à-vis du Nomicon, parce que c'est... Qu'est-ce que c'est ça? Oh, trop bien! J'ai mis un repère. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Moi je dis, on va se quitter avec le petit mode photo, parce que j'aime beaucoup les modes photo, c'est particulièrement cool pour faire les miniatures.
On va se quitter avec, en visu, le Numicon avec notre chère Amara. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss tout le monde.